Jean-Marc Morandini. Voilà, et avec nous, Willy nous a rejoint. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bon, alors justement, avec nos invités, vous avez regardé une nouvelle émission de télé-réalité cette semaine. Oui, Jean-Marc, je profite de l'avenue de nos amis experts en télé-réalité pour revenir sur l'émission qui m'a fasciné mardi soir, l'espoir de l'année, qui était censé nous dénicher le meilleur boucher de France. Oh dingue, hein. Bon, l'émission, c'était la Starac des bouchers, avec des épreuves éliminatoires. Dans la Starac, il fallait danser comme Kamel Wally. Allez, plus haut la jambe, plus haut la jambe. Ici, il fallait cuisiner comme Maïté. Allez, plus haut le charret, plus haut le charret. Dans l'émission, tout y était, la voix off à la con. Ils étaient cinq, il n'en restera plus qu'un. Avec toujours le petit suspense de derrière les fagots. Dans un instant, le jury mettra une note. Une note au steak tartare. Oh, j'en ai encore le poil qui se hérisse. Ah, vous avez des poils, vous? Peu, mais j'en ai. Là aussi, ils ont mis de la musique triste quand un candidat a été éliminé. Oh, j'ai tout donné. Mais j'ai pas assez bien viné le canard. Et là, c'est moi qui va me faire miner. Avec, bien sûr, la sempiternelle séquence émotion avec les parents. Alors, les parents à la Starac... Oh, je suis si fière de lui. Oh, il a quand même chanté avec Chimène Badi, hein. Les parents, mardi soir, c'était plutôt... Oh, je suis si fière de lui. Oh, il a quand même mis du kirsch dans la farce, hein. Je comprends leur émotion. Pour rythmer l'émission, ils mettaient de la musique rock à toutes les sauces. Eric découpe l'arrière du bœuf pour en faire un rhum steak. Super! Et tout à l'heure, il va écarisser un poulet. Rock'n'roll, yeah! Alors à la Starac, les candidats faisaient des duos avec Julio Iglesias. Toi non plus, tu n'as pas changé. Là, ils étaient en duo avec un rôti. Mais toi aussi, je vais te ficeler. Alors à la Starac, ça chantait faux. Là, parfois, ça ficelait faux. Alors, il fallait les entendre, les candidats, nous parler de leur bout de viande. Hein. Quand je ficelle un rôti, je suis aux anges. On croirait entendre Greg le millionnaire. Quand je vois Marjolaine, je suis tout dur de partout. Je l'imagine bien dans l'espoir de l'année. Quand je ficelle un rôti, je suis tout dur de partout. Lui, c'était plutôt le désespoir de l'année. Tiens, à un moment donné, il devait même choisir une carcasse de bœuf pour en faire un pavé. On se serait cru dans l'île de la tentation. Salut, je m'appelle Aurélien. Et toi ? J'ai très envie de te désosser dans la piscine. Ah bah oui, il fallait bien un petit peu de séquence érotisme, hein, sinon on s'emmerde. Alors l'un des candidats s'appelait Romain Leboeuf. Véridique, hein, Romain Leboeuf, t'imagines. Ils choisissent même les candidats sur leur nom. Les mecs qui participent à Qui veut épouser mon fils devraient tous s'appeler le porc. Oh non. Tellement ils sont goujats avec les femmes. Alors à la Starac, ils gagnaient une tournée. Là, ils gagnent un trophée tout pourri en plastique. En même temps, tu imagines le truc. Eric, l'artisan boucher en tournée. Le 8 décembre à la boucherie Chevaline des Longprés. Le 10 à la boucherie charcuterie Carrefour. Et le 12 aux abattoirs d'Autour. Avec les fans hystériques. Ouais, Eric, tu me signes mon steak, hein. Il est très beau avec son tablier. Ouh, l'autre dans sa boucherie. Bonsoir. Et tout de suite, je vais vous couper un steak haché. Ouh. Enfin, bref, tout ça m'a mis l'eau à la bouche. Je pense que je ne regarderai plus jamais mon pavé de rhum steak du même œil à lundi. Merci beaucoup, Willy. Willy, qu'on retrouve d'ailleurs en spectacle à Saint-Raphaël demain vendredi. Ah oui, demain, venez, pitié. À l'espace Félix Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.